talking a lot about, let's say, physical problems. What about somebody who would say, you know, I really have an anxiety problem, which is not immediately somebody says, you know, I have back pain or I can't sing, you know, anxiety, afraid to talk in public, or I, you know, it is, I can't sleep. You know, how do you address that then at that moment? Donc, on parle beaucoup des problèmes purement physiques, apparemment, mais qu'est-ce qu'on fait alors si quelqu'un arrive dans une pratique où, et qui dit, moi j'ai des problèmes d'angoisse, il parle de peur, il parle, je ne peux pas dormir. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Comment vous allez attaquer ça? So, supposing that you, let's go back to this character. Yeah? Now, donc on retourne au personnage d'avant. Why doesn't this character face the world more? Why are they here? Donc pourquoi cette personne ne regarde pas le monde en face? Why are they here? This is a severe, it could be a severe lack of confidence. It could be a painful depression. C'est peut-être un manque de confiance, une déprime. And it could have to do with not just anxiety, but even fear of other people and how they'll feel about them. C'est peut-être non seulement l'anxiété, mais aussi la peur des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de soi? So, in the Feldenkrais method, we're very interested in certain emotions, but not others, not other emotions. Donc, dans la méthode Feldenkrais, on est très intéressé par certaines émotions et pas d'autres. What do you mean, certain emotions, but not others? Mm. On est intéressé à certaines émotions, mais pas les autres. So, my doctoral degree is in psychology. And so I worked with people psychologically. Donc j'ai une thèse, j'ai un doctorat en psychologie, donc j'ai travaillé avec des gens au niveau psychologique. So a standard thing, someone comes and they have depression, they have anger, yeah? They suffer from feelings of just a lack of confidence in the world. Donc les gens souvent ils venaient me voir quand ils avaient une dépression, ils étaient en colère, ou sinon tout simplement un manque de confiance avec le monde. But we don't waste time dealing with more superficial emotions like anger. Mais nous ne perdons pas le temps de traiter les émotions plus superficielles comme la colère, comme la déprime. What if you could stimulate someone's imagination and curiosity? Those are two powerful emotions. Et si, est-ce qu'on pouvait stimuler l'imagination et la curiosité? In qu'est-ce qui se passerait? They aren't really emotions, they're entire states of mind and whole ways of being in the world. Donc c'est pas juste une émotion, c'est tout un état d'esprit dans le monde. Imagine a life without curiosity. Imaginez-vous une vie sans curiosité. How sad. Quelle tristesse. Right? If someone lacks confidence, there's many things they aren't going to be able to do. Si quelqu'un manque de confiance, il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont pas pouvoir faire dans la vie. So certain big emotions, I call them like that, are really important. Donc il y a quelques grandes émotions comme cela qui sont vraiment très importantes. And how really would you do that? Somebody comes in and says, really, this, you know, you look at it physically. Yeah. Can you explain that to the audience? So, are you really talk to him then or her? How is this going? Comment ça marche alors? Est-ce que vous allez physiquement regarder juste cette personne ou est-ce que vous parlez avec cette personne? Comment vous le faites très concrètement? So, there is an assumption behind the Feldenkrais method. An assumption. Donc il y a quelque chose qui est supposé derrière la méthode Feldenkrais. And that is that your emotions and your thoughts are in your body. They're Et completely embodied. Donc ça, c'est l'émotion, les pensées, c'est dans son corps. Ça fait partie du corps. And because they're embodied, you can change the way that you think and the way that you feel by changing the easiest thing, the way that you move and the way that you sense how you move. Donc on peut changer la façon dont on réfléchit, la façon dont on sent les choses, tout simplement en changeant la façon dont on bouge. So for example, someone might come and they want some psychological help. And it would be, I think, inappropriate to go, okay, tell me about your mother.
Donc, par exemple, des gens peuvent venir en voulant un peu d'aide psychologique. Pour moi, c'est totalement inapproprié de poser la question, bon, comment va votre mère? How do you feel about your mother? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre maman? So, and this actually was the first question in most of psychiatry up till about 1960 and 70. Donc ça, c'était pourtant la première question qu'on se posait dans le monde de la psychologie jusqu'aux années 60-70. And those kinds of questions may not be the best way to talk to somebody about how they embody their emotions. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de poser la question aux gens de savoir comment est-ce que leurs émotions se montrent, se voient dans leur corps. So it might be more useful to be able to see, in fact, how does someone's posture and their way of moving reflect the way that they feel. C'est peut-être plus utile de regarder comment la posture des gens, comment leur façon de bouger reflète tout cela. Okay, so you start again off from the physical. Mm-hmm. The physical side. Look, if someone's anxious, they almost certainly have difficulties breathing that they're not aware of. Donc si quelqu'un a des angoisses, il va sûrement avoir des problèmes pour respirer dont on n'est pas conscient. If you're really anxious, how can you sing? Si on est angoissé, comment est-ce qu'on peut chanter? Short little. So if somebody comes to you who's anxious, you make him sing? No. Si quelqu'un vient chez vous qui a des angoisses. Vous le faites chanter ou? No, I'd help them breathe. Learn to breathe. Je l'aide à respirer. So that they have the ability to hold sound. Pour avoir la capacité de tenir le son. A lot of people here are new and they've never had an encounter with the Feldenkrais method. How does this really work in practice? I look at Gaëtan there, the cameraman. He always says he's a bit tight up there. He's a bit tight. Non? Gaëtan, tu dis toujours ça, non? Il dit toujours qu'il est un peu serré là-haut, ça fait mal toujours. So how would you do that? Practically, Gaëtan enters. Gaëtan has a problem that many cameramen have. Gaëtan a carrying problème cameras on their shoulder, yeah. Que beaucoup de gens qui ont des caméras, ils ont ce problème. So I'll give you a really simple idea, basic, yeah. Yeah. Gaëtan, do you mind coming here? Excusez-moi. Could you have a seat? Asseyez-vous. Just sit there for a moment. Let yourself get used to everything. Donc restez 30 secondes, juste le temps de vous habituer. So, this is your hand went here as soon as your name was mentioned. Donc dès qu'on a dit votre nom, vous avez mis le bras là, à ce moment-là, sur l'épaule. So we assume this might be a place, right? Donc on peut supposer que c'est là où vous avez mal. So look, we could stick our thumbs in, right, until the muscle relaxes a bit. Donc on pouvait appuyer avec les pouces jusqu'à ce que le muscle se détende. We could give him weights to put in his arm and do exercises. On peut lui donner des poids pour faire des exercices pour la force. But let's agree with him, completely agree with his body. Mais on va se mettre d'accord avec son corps. So just stay there. Nothing will hurt. Yeah, you can let the arm drop. Yeah. Vous pouvez laisser tomber le poids. No. Drop. Faites tomber. Yeah, till I have all the weight. Good. Jusqu'à ce you que see, partout he le had poids. To adjust his posture. So du coup, that's c'est it. Bien. Il a fallu qu'il change sa posture. So his muscle is tight, so I'm going to support it. I'll do what his muscle does. Donc sa muscle est tendue, donc c'est moi qui vais faire le travail de son muscle. Je vais le soutenir. Good. And now let's let it down. Et maintenant, on le laisse tomber. Sorry. Would you like more? Vous voulez plus? So let's do this. And here, let's take your head over to the shoulder. There we go. Et on va ramener la tête vers l'épaule. So your brain understands your ear and your shoulder and how far apart they are, and now let's make them close without effort on your part. Donc il faut que le cerveau comprenne que l'oreille et l'épaule, ils sont à une certaine distance, on va les rapprocher sans effort de votre part. I think he's had too much to drink.
Je pense qu'il a trop bu. What's that? So, and also, if this shoulder is sore, almost certainly muscles going up the side of the neck here to the shoulder are also going to be overworked. Donc si l'épaule fait mal, c'est sûr que les muscles qui vont vers le cou aussi vont travailler trop. And right here, it's hard to turn your head. Can Et you là, feel? C'est difficile de tourner la tête. Look, let's go here. What? Donc si on part de ce côté, it's so easy. C'est tellement facile. But look over here. Mais là. So maybe we need to find a way to move the head. This is an image of action. Yeah. Donc, on va essayer de trouver une manière de bouger la tête. Donc c'est une image d'action. To feel how the back of your skull goes that way when your forehead goes this way. De sentir comment l'arrière du crâne bouge dans un sens quand le front part so, dans l'autre. Yeah. So the image is more clear and complete. Donc l'image est plus claire et plus complète. There we go. Voilà. Now, last thing, drop the shoulder. There. Maintenant, laissez tomber l'épaule. Very good. Très bien. Okay. Je réfléchis trop aussi. Well, I'm thinking too much, he says. So, if you don't think and just sense, how does that shoulder feel now? I don't have pain now, he says. You don't have pain? Okay, good. I'm sorry we can't do more, but we'll thank you. Thank you. Thank you.